Avec ses enfants Waka et Kintala, Paraji le dingo pouvait croire qu'il possédait le désert. Mais Kira était arrivée avec ses petits Kouiri et Marty, et elle avait établi sa domination. Du moins formaient-ils désormais tous ensemble une véritable meute. Un dromadaire estropié avait tenté de se joindre au clan d'Artoué. Chassé à coups de dents, il avait dû s'exiler. Un peu plus tard, il était mort, sans aide ni pitié. Toku, le nouveau bébé de Burka, avait pour la première fois sorti le nez de la poche maternelle afin de contempler le monde. Tout cela, Paraji le projetait sur le dôme du rêve. Car il en est ainsi. Nous entrons dans la vie quand notre rêve commence. Chez les kangourous, grandir, c'est perdre sa maison. Cette poche maternelle si douce où l'on a passé les 10 premiers mois de sa vie. Yam ne supporte pas cette fatalité. Il observe sa mère, Burka, dont le fardeau s'alourdit de jour en jour. Yam aurait aimé demeurer près d'elle pour toujours. Mais elle lui a refusé sa mamelle et réserve désormais l'essentiel de ses attentions à un nouveau bébé. Il se nomme Toku, le tout petit. Il faudra du temps à Yam pour accepter qu'un autre, un frère, ait pris sa place. L'exil serait plus doux. L'exil, le vrai, celui qui dure des siècles. D'autres le connaissent bien. Ils courent en liberté dans l'Outback, le cœur rouge de l'Australie. Les chevaux, ici ils se nomment Brumbies, sont arrivés avec les pionniers à partir de 1788. Ceux d'entre eux qui se sont enfuis ont créé des lignées d'animaux redevenus sauvages. Ils sont aujourd'hui plus de 300 000 dont le galop fait vibrer comme un tambour le sol des savanes. Bien qu'ils se soient adaptés aux conditions de vie en milieu aride, les Brumbies ont besoin toute l'année d'eau et de pâture. La raréfaction de l'une et des autres, à l'approche du dry, la saison sèche, les oblige à errer dans les savanes, dévastant tout sur leur passage. Un groupe de dingos que le hasard des circonstances a réunis, un couple dominant qui marque le territoire et qui sera seul autorisé à se reproduire en une année donnée, des subalternes qui ne sont autres que les jeunes provenant de portées antérieures, Paraji, Kira et leurs enfants, forment bien une meute pour le temps qu'il leur plaira. Kira, la femelle surgit de nulle part, s'est imposée à tous. Sauf à Kintala, le fils de Paraji. Les autres, comme Waka et Kouiri, les femelles, ont appris à vivre ensemble.
Le nez de Quintala détecte soudain l'odeur d'un étranger. Bien que le Brumby soit isolé, sa seule présence énerve Kira, sur la trace de qui s'élanceront bientôt les autres membres du groupe. Quand le cheval s'immobilise, l'agressivité des dingos se transforme en une sorte de fascination mêlée de crainte. Kira, la plus courageuse, devine que le cheval pourrait la tuer d'un coup de sabot. Elle ne veut l'approcher que de manière progressive, par petites touches prudentes. Attentifs et impressionnés, les proches de Kira préfèrent la voir de loin céder encore à sa curiosité et à l'ivresse du danger. L'intrus paraît inoffensif. Kira leur ayant donné la preuve, les autres dingos peuvent s'avancer. Mais c'est Quintala qui, le premier, ira marauder entre les pattes de l'inconnu. Waka, la sœur de Quintala, préfère s'abstenir de toute provocation, tandis que Kira juge le moment venu, puisque n'importe quel indésirable entre chez eux sans égard, de renforcer les marques territoriales. L'intrus appartient sans doute à une horde dont l'étalon l'a exclu quand il s'est mis à convoiter les femelles en chaleur. Le bannissement est le sort normalement réservé aux jeunes mâles quand ils atteignent 2 ans. Plus tard, au gré de son errance, le jeune cheval sauvage trouvera d'autres exilés avec qui il s'associera peut-être avant de réunir son propre harem et de pouvoir enfin assouvir ses appétits. Sur l'île des kangourous, Toku entame son apprentissage. Aujourd'hui, il prend une leçon de botanique. Sa position lui permet en effet de découvrir les végétaux qui passent au ras de son nez et dont certains, qui ont la préférence de sa mère, constitueront plus tard son alimentation exclusive. Il doit donc apprendre à les identifier par la vue et surtout par l'odorat. Quelques zones encore vertes ont provisoirement échappé au dessèchement de la grande savane. C'est pourquoi tant de nomades s'y bousculent en cette saison. En particulier, l'irruption d'un dromadaire inconnu va bouleverser la horde d'Artwe, qui occupait le terrain avant lui. Artwe, le géant roux,
a capté une odeur suspecte. L'intrus se présente là-bas aux lèvres, ce qui peut indiquer son désir de s'imposer au troupeau, même par la force. Hartway ne l'entend pas ainsi et se place derrière lui pour lui montrer la voie qui mène au diable. Marali, dont le nom fait référence à sa couleur presque rouge, est bientôt encadrée par tout le troupeau. Sur la gorge d'Hartway, qui bave de plus en plus, des poils se hérissent et forment un renflement. C'est un signe d'extrême agressivité. Alors que Marali a déjà pris la fuite et avoué sa faiblesse, de jeunes mâles volent au secours de la victoire et le harcèlent en courant dans ses jambes. La piétaille coupe la retraite de Marali et l'oblige à tourner en rond. Et quand il croit pouvoir reprendre son souffle, c'est Irk, l'adjoint d'Hartway chargé du maintien de l'ordre, qui se lance à ses trousses. Marali s'avoue vaincu devant le mur que forment ses adversaires. Mais ça n'est pas assez pour Hartway qui entend veiller par lui-même au départ de l'étranger. Marali devra trouver asile ailleurs, car nul ici n'est enclin à partager une pitance décidément trop maigre. Hartway sera là pour accueillir le rôdeur comme il se doit si l'idée lui venait de tenter encore sa chance. Quelques herbes où subsiste encore un peu de sève ont arrêté le galop des chevaux errants. Ils sont parfois plus de 100 à se déplacer ainsi, épuisant le bouche parcelle après parcelle. Leur vie est dure dans cet environnement stérile où leurs ancêtres ne sont pas nés. Mais la vie est plus dure encore quand on s'est fracassé un membre et quand on a peine à suivre ses compagnons.
Outhéné, dont le nom signifie le blessé, a récemment regroupé sa propre harde. Il dominait ses juments, elles étaient son harem. Chaque poulain à naître aurait porté ses gènes. Si dans le fracas de la cavalcade, un escarpement ne s'était réduit en poussière sous son sabot, l'entraînant dans son effondrement. Depuis ce jour, Outhéné n'est plus qu'un fantôme, une angoisse, une plainte. Nul ne voudra entendre la plainte d'Outhéné. La loi du désert veut que le faible, celui qui compromet le groupe en attirant les prédateurs, soit rejeté par les autres. Mais Outhéné n'attend pas. C'est sa douleur qui l'exclut et le tient désormais à l'écart du monde. Pogo voudrait bien que sa mère cesse de se préoccuper de ses prétendants et s'intéresse un peu à lui. Mais Catania ne montre au jeu aucun empressement, ce qui redouble l'énervement de Pogo. Taper du pied n'y change rien, Catania refuse le pugilat. Pogo insiste, sans aucun succès. Catania tente de calmer son fils en lui frôlant le nez, mais Pogo lève la tête très haut pour se refuser à cet effleurement, lequel constitue pourtant chez les kangourous un geste tendre et apaisant. Catania veut se montrer conciliante, mais ses tentatives viennent se briser sur un râle de dépit et de colère. Il y a à peine quelques mois, les escarpements du nord australien, en terre d'Arnhem, dominaient une plaine inondée. Aujourd'hui, c'est un tendre jardin d'où les excès d'eau se sont retirés. Un peu d'eau s'attarde là où se trouvaient les méandres de rivière Tari. Elles forment des réserves qu'on appelle billabong et qui demeureront humides jusqu'à la prochaine mousson. Les cascades, en revanche, sont restées intactes. Leur flot ne cesse jamais, bien que l'Australie soit globalement le continent habité le plus sec du monde. C'est une aube australe. Des oiseaux la tissent de fils bleus pâles pour que vienne le jour.
La clarté du matin qui s'installe révèle peu à peu les monstres tapis dans l'estuaire. C'est l'heure où s'active, derrière un rideau d'herbe, un peuple qui grogne, fouille, farfouille et se gratte le cuir. Précédé d'une escorte d'aigrettes, les sangliers d'Eurasie se dirigent vers les eaux de l'estuaire. Ils tendent le groin vers le sol afin de ne pas manquer d'avaler la grenouille ou le lézard infortuné qui croiserait leur chemin. Des bulbes, des œufs, des racines peuvent aussi les combler. Le sanglier d'Eurasie est omnivore. Une flore intestinale trop pauvre limite la part de cellulose dans son alimentation et l'empêche de ne manger que des matières végétales. Il lui faut aussi de l'eau en abondance pour la boisson et pour le bain. Mais ce matin, l'eau du bain n'a pas belle apparence. La harde s'est enfuie. Le sanglier d'Eurasie craint le crocodile. Il est pourtant lui-même un tueur légendaire capable de venir à bout d'un kangourou adulte ou même d'un jeune buffle. Sa sombre gloire le fait passer pour une ombre maléfique qui déchire la prairie. Un arracheur d'âmes. Ni la candeur de l'ibis des Moluques, ni la pureté de l'aigrette qui défie les dragons de l'estuaire ne sauraient conjurer les sortilèges du sanglier maudit. Deux journées particulières jalonnent l'enfance d'un kangourou. Celle où il faut naître et celle où il faut marcher. Plusieurs mois séparent l'une de l'autre. Aujourd'hui est venu pour Toku, le fils de Burka, le temps de prendre contact avec la terre ferme et de découvrir que le monde n'accueille pas tendrement les petits kangourous malhabiles. Retourner aussitôt vers la poche de sa mère, mais il découvre que celle-ci adopte une posture qui l'en empêche. C'est elle, et elle seule, qui décidera de l'heure du repos. Elle estime que la première sortie de Toku a assez duré. Burka s'incline simplement vers l'avant pour le laisser regagner enfin son domicile. Dans la touffeur tropicale du Nord, une spatule explore la vase d'un marécage. Son bec est équipé à l'extrémité de capteurs très sensibles grâce auxquels l'oiseau peut prendre au piège de petites proies invisibles. Un sanglier d'Eurasie vient vérifier qu'un crocodile ne se dissimule pas dans le bourbier.
La placidité de l'aigrette le lui confirme. Même le timide kangourou semble n'avoir rien à redouter. La harde rejoint son éclaireur. Elle se regroupe autour de la cuvette de boue qu'ont façonné tant de bains pris chaque jour au même endroit. On appelle aussi le sanglier d'Eurasie Razorback, dos en rasoir, en raison des boucliers cartilagineux qui renforcent le dos du mâle adulte. Soudain, un cri fait fuir toute la bande. Les Razorbacks se retrouvent sur les berges de la mare voisine, qui offrent aux petits un terrain de jeu et aux aînés des herbages à fouiller du bout du groin, aussi bien que des arbres auxquels se frotter pour apaiser une démangeaison. L'eau est indispensable aux Razorbacks qui souffrent de la chaleur et ne peuvent vivre en milieu aride. Se rouler dans la boue permet par évaporation de rafraîchir le corps et de le recouvrir d'une pellicule de glaise qui limite l'ardeur des parasites. L'eau est aussi une source de plaisir pour le Razorback qui peut y passer des heures, parfois occupé à frictionner sur une branche morte diverses parties de son anatomie. À défaut d'une place disponible dans la vase, le Razorback peut se contenter de creuser la terre avant de s'y allonger. Semblable à un marchand qui aguiche le chaland, le chlamydère à nuque rose guette la femelle qui voudra bien venir admirer son chef-d'œuvre. En effet, l'oiseau a mis en place une installation complexe, située très précisément au milieu d'une sorte d'arène. L'œuvre est régulièrement désherbée afin que rien ne vienne en détruire l'harmonie. Des pierres, ossements blanchis et coquilles ont servi à fabriquer un tapis minéral dont la blancheur étincelle au premier rayon de soleil. Ce revêtement de sol sert de parvis à une construction dite en berceau, dont chaque côté peut être fait de plus de 3000 brindilles étroitement tissées. L'arche est juste assez large pour que le corps de l'oiseau puisse s'y glisser. L'œuvre, sans cesse en travaux d'embellissement, n'est pas un nid, mais un arc de triomphe destiné à faire valoir son créateur et à attirer sur lui l'admiration d'une femelle. Celle-ci devra construire le nid ailleurs et sans aucune aide du mâle. Le chlamydère est un parent de l'oiseau de paradis. Il consacre presque toute son énergie à ses activités d'architecte, ce qui l'empêche d'assumer les responsabilités liées à l'éducation des petits. La femelle y pourvoit seule. En effet, le chlamydère est polygame. Aussitôt après l'accouplement,
il retourne près de son œuvre pour y attendre une autre admiratrice. Quand le monument a été vérifié et nettoyé de toutes ces herbes folles, l'oiseau s'installe sur une branche. Les plumes roses de sa nuque se hérissent alors, formant une tache vive, susceptible d'attirer l'attention. Quelques notes de musique sont généralement émises dans la même intention, mais la femelle ne succombera qu'après avoir inspecté l'œuvre, et seulement si elle la trouve belle. Même si peu d'animaux produisent des œuvres qui ne visent à rien d'autre que de plaire au public, le chlamydère ne fait qu'obéir à son instinct. Il en est de même du varan de Mertens, qui arpente la rocaille à la recherche d'un peu d'eau où se baigner. Il aime nager, et l'assèchement progressif des marécages l'oblige à passer à pied sec plus de temps qu'il ne le voudrait. Les dromadaires, en revanche, ne redoutent pas la sécheresse. Pour eux, c'est le temps du rut. Chaque mâle colle son nez à l'arrière-train d'une femelle. Il respire les odeurs, les garde le plus longtemps possible dans ses fosses nasales et les savoure en gourmet. Parfois, l'un d'eux exhibe son sac vocal, un ballon de chair formé par le gonflement d'une partie du palais. Artoué, le chef du groupe, veille à ce que les plaisirs des jeunes mâles ne dégénèrent pas en une situation qui lui ferait perdre le contrôle du harem. Marali, le mâle solitaire, le demandeur d'asile, aimerait lui aussi participer à la fête des parfums. Mais le regard du jeune Irk est là pour l'en dissuader. Pendant que son adjoint fait son travail de sentinelle, Artoué est occupé à brouter. Aussitôt, Marli profite de l'occasion. Déjouant la surveillance d'Irk, il se dirige vers une femelle isolée. Mais on ne trompe pas si facilement la vigilance d'Artway. Celui-ci prend la situation en main. Marali ne cherche pas l'affrontement. Il s'enfuit sans attendre.
est rentré dans l'ordre. Maralie ne prendra pas sa part du doux parfum des femelles. Musc et graisse, ambre et sueur. La nature ne connaît pas le sens du mot pitié. Elle ne fait preuve d'aucune compassion envers ceux qui sont nés faibles, infirmes ou solitaires, ou qui le sont devenus. Une jument noire observe Outhéné qui fut jadis son maître et qu'une fracture a réduit à l'impotence. La jument veut chasser Outhéné dont la présence pourrait devenir un fardeau pour le groupe. Un autre poursuivant, plus vif, prend la place des femelles. C'est le nouvel étalon. Il occupe la place qu'Outhéné a laissée libre. Outhéné se résout à demeurer en marge de la horde. Dans le groupe, seule une jument rousse le regarde avec un peu de sympathie. Outhéné a déjà perdu du poids. Ses côtes saillantes se détachent sous les reflets de sa robe. Aucun Brumby ne pourrait survivre, semblablement handicapé dans le grand désert rouge. De nouveau, la jument noire le prend en chasse et s'arrête, sûre que le fuyard ne tentera plus de revenir vers les siens. La horde se prépare à partir à la recherche d'une source ou d'un point d'eau. Outhéné restera seul, dans cette grande plaine vide, où il ne galopera plus. Maralie de Dromadaire se sent soudain moins solitaire. Plusieurs petits que leur mère ont laissé s'écarter viennent à sa rencontre et lui tendent un mufle accueillant. S'achève trop tôt car un vieux mâle hostile entre en scène pour mettre un terme au rapprochement. Il est en pleine période d'agressivité sexuelle, comme l'indiquent des sécrétions noires sur sa nuque. Exclu une fois de plus. Maralie prend son mal en patience. Il tentera encore sa chance, autant de fois qu'il le faudra, pour trouver sa place quelque part dans un monde devenu hospitalier. Il semble que monte du sol en même temps que la chaleur croissante, une agressivité générale.
Cacalac, le serpent brun à tête noire, a quitté son terrier pour partir à la recherche d'une femelle. En chemin, il se fait subitement agresser par un congénère qu'il a croisé avec dédain. D'abord surpris, Cacalac se prépare au combat. L'adversaire est un mâle de la même espèce, quoique puisse laisser croire la pâleur de sa peau. L'ennemi vient plus près se rendre compte de la situation. Sa langue, aussi bien que les capteurs de chaleur et de vibration dont il dispose, lui fournissent des informations sur son adversaire. Celui-ci lui paraît-il trop insignifiant ou trop dangereux? Le serpent préfère s'éloigner. Il ne s'en tirera pas ainsi. Cacalac entend bien lui offrir une correction. Le serpent brun est un reptile combatif, hargneux et dangereux. Bien que ses crochets soient courts et sa glande venimeuse de petite taille, le poison qu'il injecte à ses victimes d'autres espèces peut les tuer en quelques secondes. Quand il s'attaque à l'homme, sa morsure est mortelle dans 40% des cas, si un sérum antivenin n'est pas immédiatement disponible. L'ennemi a pris l'avantage. Cacalac doit à tout prix le rattraper et riposter. Face à son adversaire, le serpent brun courbe toujours son cou en forme de S, afin de se ménager de meilleures possibilités de détente. Cacalac remporte la partie. Son agresseur s'enfuit à la manière des serpents bruns, c'est-à-dire à la vitesse de l'éclair. Trois jeunes Razorbacks se sont éloignés de la harde pour explorer les environs, à la recherche de quelques bonnes fortunes ou d'un peu d'eau claire à lécher sur les pierres. Les Razorbacks naissent par portée de 4 à 6 animaux que la femelle met bas 2 fois par an. Ils sont sevrés à 3 mois et quittent leur mère à l'arrivée de la portée suivante. Devenus adultes, les mâles, extrêmement robustes, pèseront près de 200 kilos. L'un des jeunes Razorbacks a pris du retard et cherche ses frères. Peut-être ont-ils en son absence mis le nez sur quelque nourriture délectable comme un cadavre d'oiseau ou un rat kangourou crevé. Non. Aujourd'hui, le festin sera fait d'herbes et de fleurs. Un peu plus loin, les Razorbacks inspectent un objet mystérieux, à quoi ils trouvent peut-être quelque chose de familier. Ce fut un mâle, jadis. L'un de ces monstres violents et souvent cannibales, dont les canines poussent sur les côtés et se transforment en poignards.
Toku, le fils de Burka, s'est aguerri. Chaque pas sur le sol n'est plus une épreuve, même s'il sursaute parfois sans pouvoir se contrôler, sur le ressort de ses jambes. Toku ne se laisse décourager par rien. Naître déjà fut un terrible effort. Il a fallu escalader à la force des bras quand on n'était qu'un être larvaire et inachevé, toute une jungle de fourrure, afin de passer de l'utérus à la poche marsupiale. Comparé à ce périple, s'accoutumer à la rudesse de la vie sur un sol stable et hérissé d'obstacles, n'est dans le sens propre du terme qu'un jeu d'enfant. Toku sait à présent que seule sa mère décidera de lui ouvrir sa poche quand elle le jugera bon. Il ne sert à rien d'insister. Mieux vaut continuer d'explorer l'univers. Décidément trop fatigué, le jeune kangourou aimerait rejoindre son refuge. Dans un instant, Burka s'inclinera légèrement pour l'y autoriser. Puis elle se relèvera afin d'observer l'océan qui gronde et dont on pourrait croire qu'il protège à jamais l'île des kangourous.